Et pour revenir aux femmes peu présentes, on le disait dans l'Hexagone, elles vont prendre le relais dans la poésie des années 80. Est-ce que leur écriture s'inscrit dans une forme de militance plus ou moins partagée selon les écrivaines? Est-ce qu'on peut distinguer là aussi des phénomènes de génération? Oui. D'abord, il faut dire une chose, c'est que peut-être sans doute, une des plus grandes figures du féminisme littéraire et poétique au Québec, c'est Nicole Brossard, et qu'elle est la fondatrice de La Barre du Jour en 1965. Donc, au départ, c'est plutôt une perspective formaliste, déconstructive, un langage très éclaté et tout. Mais assez rapidement, après 1970, ça va prendre une tournure tout autre et c'est la montée d'un mouvement féministe qui n'est pas d'ailleurs propre au Québec. Il y a aussi la même chose aux États-Unis, au Canada anglais, en France et ailleurs. Mais très rapidement, et probablement qu'on pourrait dire que 1975 environ est le point de départ de ce mouvement avec Nicole Brossard, France Théoret, Madeleine Gagnon et Lucky Bercianic et plusieurs autres. Alors, ce sont toutes Boucher. des femmes poètes, Denise Boucher, qui va publier aussi une pièce, Les filles ont soif, qui va faire un scandale, mais oui, est en même temps un des emblèmes de ce nouveau féminisme-là. C'est l'époque du théâtre expérimental des femmes. Et que dire de ce phénomène poétique assez inédit dans la francophonie qu'on appelait les nuits de la poésie? Alors, quand on parle de la nuit de la poésie de mars 1970, il faut voir que quand on parle en poésie québécoise, c'est un événement pratiquement mythique aujourd'hui. Et la nuit de la poésie, c'est un produit de la fin des années 60. Ça avait été précédé par toute une série de spectacles qui s'appelait Poèmes et chants de la résistance, qui était très politique aussi, qui était autour d'une revendication du pays, qui était en même temps un appui à des mouvements plutôt radicaux comme le Front de libération du Québec, qui avait commis des actes terroristes. Il y avait de la violence dans l'air, mais il y avait aussi le sentiment que la parole poétique était enfin sur la place publique. Alors, 1970, c'est le cinéaste Jean-Claude Labrecque qui décide de filmer. Et alors, on peut dire que c'est un témoignage extraordinaire sur la poésie de l'époque, dans tous ses courants, des plus lyriques et parfois un peu traditionnels aux plus éclatés, contre-culturels. On entend des jeunes poètes qui sont autour de la revue Les Herbes Rouges, qui venait d'être fondée en 1968 et qui vont être très contestataires dans les années 70, inspirés par le marxisme, une tentative de déconstruction complète du langage. On a des choses assez farfelues, un peu clownesques, et on a aussi les grands poètes du pays, comme Miron, évidemment, et plusieurs autres, Gatien Lapointe, etc. Alors, c'est un événement marquant qu'on va répéter par la suite en 1980 et tout ça, mais jamais avec le même. Il y a eu une cristallisation. Il faut dire que 1970, là, ça a cristallisé quelque chose. Il y a eu une affirmation collective extraordinaire. C'est un événement qui est mémorable. Speak white. Speak white. Un des poèmes marquants de cette soirée, c'est Speak white de Michel Lalonde. Qui est un poème qui est fait pour être dit en public, qui est un poème très oral et qui est un clou de la soirée, si on peut dire, et de la nuit, hein, vraiment, et qui est aussi un poème de solidarité avec tous les peuples opprimés de la terre. Elle dit « Liberté est un mot nègre dans les rues d'Alger et de Little Rock ». Alors, c'est une affirmation vraiment collective extraordinaire. Alors, cette première révolution féminine va bientôt être relayée par une nouvelle génération de femmes plus jeunes, féministes, mais pas toujours militantes forcément. Non, ces femmes-là sont un peu plus jeunes. Alors, disons, le courant, la période la vraiment militante, la plus militante du féminisme québécois, et notamment dans la littérature et dans la poésie, c'est entre 75 et, disons, 85, au plus tard, là, ou peut-être même un peu avant 85. Mais justement, à cette époque-là, apparaît toute une génération de femmes plus jeunes. La plus jeune de toutes, malheureusement, elle va disparaître, elle va mourir très jeune, à 26 ans, c'est Marie Huguet, qui écrit à la fin des années 70, début des années 80, et qui n'écrit pas une poésie féministe au sens propre, militant, au sens militant. Mais
c'est une poésie d'une sensibilité féminine, sensibilité face au monde. C'est d'une grande pureté d'intonation. C'est d'une et Marie Huguet va marquer. Mais alors. Plusieurs autres poètes femmes plus jeunes vont, ou du même âge que Marie Huguet, vont commencer à écrire vers cette époque-là. Je pense à Geneviève Amiot, Louise Dupré, Denise Desautels, et plusieurs autres encore. Mais c'est peut-être là les figures les plus connues. Puis ensuite même, encore d'autres un peu plus jeunes, Hélène Dorion, Rachel Leclerc, Élise Turcotte, Carole David. Je dois dire que la révolution féministe des années 75-85 a complètement changé le paysage poétique au Québec. Et à partir de là, on peut parler d'une parité, ou presque, entre les hommes et les femmes en poésie. Et plusieurs des grandes figures de la poésie québécoise contemporaine, pensons entre autres à Louise Dupré et Denise Desautels, donc sont des femmes, et il y a un très grand nombre de poètes femmes qui écrivent maintenant, même dans la nouvelle génération. Donc, ça a été un déblocage absolument spectaculaire, et très rapide aussi.